Je m'appelle Boubacar Ba, connu sous le nom de Pluma Azokaba. Je suis très content de participer à ce tournoi intersous-préfectoral de Tilimili. Demain, nous serons en première ligne pour ce match d'honneur qui opposera les vétérans aux jeunes de Tilimili au stade de Nongo Unité. Et l'équipe dans laquelle je vais jouer, qui va porter les couleurs rouges avec le Série National, va remporter ce match face donc aux autres. Et on souhaite bonne chance aux deux équipes finalistes, Santou et Gougoudé, que le meilleur gagne. Merci. Bonsoir, je m'appelle Bachir Silla, je suis journaliste. Je suis responsable de la communication de la Coordination internationale pour le développement de Tilimili. C'est avec plaisir que je vous donne rendez-vous demain au terrain de proximité de Nongo pour disputer un match exceptionnel qui verra jouer des journalistes, des banquiers, des chefs d'entreprise, tous originaires de Tilimili. Voilà, et Dame Diallo, économiste, je suis membre de la cellule technique de la Coordination internationale pour le développement de Tilimili. On vous donne rendez-vous demain au terrain au Nongo et vous serez très surpris parce que nous, je vous promets déjà, je vais marquer 3 buts. Et voilà, nous sommes déjà plus forts et plus jeunes, on a plus d'énergie. Donc, rendez-vous demain pour voir le match exceptionnel de DVD Vidéo. Ensuite, voir la finale extraordinaire qui réunifie tous les fils et filles de DVD. Merci. Je suis Ousmane Dieng, membre de la cellule technique de la CIDT, correspondant de guinemapien.com à Tilimili. J'ai effectué 270 km pour participer à cette finale et surtout montrer mon talent. Je vous promets que je marquerai 2-0. Diallo Boubacar, vice-président de la cellule technique de la Coordination internationale pour le développement de Tilimili. Demain, nous allons jouer, nous anciens, contre les jeunes de Tilimili, ressortissants. Nous comptons battre les jeunes pour respecter le proverbe qui dit la vie permite prépare les bonnes sources. Nous allons montrer aux enfants que nous sommes vieux, mais nous savons jouer mieux qu'eux. Vous êtes tous invités demain à participer à cette finale qui va opposer Santou à la commune de Gongouillé. Merci beaucoup. Pablo d'Alpha, je suis le secrétaire général de la cellule technique de la Coordination pour le développement international pour le développement de Tilimili. En même temps, je suis employé dans une société de télécommunication de nom de TISA, le numéro 1 des nouvelles technologies de l'information et de la communication. J'invite l'ensemble des fils, filles, amis et sympathisants de Tilimili en particulier et de toute la République de Guinée en général, de venir assister à ces deux matchs. Il y a un premier match qui opposera l'ensemble des membres de la cellule technique, les amis de Feu Katumba, les amis de M. Mohamed Bari, président de l'Ouba FC, et tous les autres sympathisants de la préfecture de Tilimili. Donc nous invitons à venir assister à ce match et aussi à la finale qui va opposer Santou à Gougoudié. Et vous ne serez pas dessus parce qu'il y a des talents, il y a le CR7 de l'équipe Noumoubandé et il y a le numéro 9, l'attaquant de pointe, l'infatigable Bachir Silla, sans oublier le grand vice-président qui a la taille de Olivier Bierhoff qui va faire 3 buts en tout cas. Je vous remercie. Noumoubandé, journaliste, administrateur général de guinemapien.com. Je suis ressortissant de Tilimili. Ils l'ont dit, nous serons très honorés demain de vous recevoir nombreux au stade de proximité de Nongo. Je dois quand même avouer que je suis le capitaine de l'équipe des sages de Tilimili et nous comptons administrer une bonne leçon, comme l'a dit Boubacar Diallo, administrer une bonne leçon aux jeunes pour dire que voilà, nous avons encore le souffle. Venez nombreux, et après ce match de l'Évée de Rideau, ils l'ont dit, il y a la finale qui opposera Gougoudié à la sous-préfecture de Santou. Tous les fils, toutes les filles de Tilimili sont invités, tous les amis de Tilimili et les populations de Conakry sont conviés à cette importante rencontre qui se tiendra samedi 20 avril 2019. Merci à tous. Capi, Capi. Vive la préfecture de Tilimili. Vive la préfecture de Tilimili. Vive la cellule technique de la Coordination internationale pour le développement de Tilimili. Vive la cellule technique de la Coordination internationale pour le développement de Tilimili. Vive l'unité pour une préfecture épanouie.
Vive l'unité, oui, préfecture et Paris. Ensemble, construisons notre télémédie. Ensemble, construisons notre télémédie. Et profitons de cette occasion pour construire toute la République de Guinée. Et profitons de cette occasion pour construire toute la République de Guinée. Je vous remercie. Merci beaucoup. D'où la couleur rouge et vert que vous voyez ici, oui, et qui est le maillot du civil national. Donc, au-delà de télémédie, c'est vraiment la Guinée qui est en miniature dans notre préfecture. Notre préfecture qui fait frontière avec 8 autres préfectures, Kindia, Pita, Neluma, Gawal, Boké, Bofa, Dubreka et Fria. C'est le résumé de la Guinée. Le résumé de la Guinée. C'est la ville Carrefour. La seule préfecture où on rencontre toutes les ethnies à travers le pays. Commencer par la Guinée forestière de Conakry à Yomou. Télémédé, c'est la crème, c'est le résumé de notre pays, notre cher pays, la Guinée. Yeah. Nous ne parlons pas politique, nous ne voulons pas critiquer, mais il y a une évidence. Télémédé n'a aucun ministre. Nous n'avons aucun gouverneur. Le plus haut poste occupé par un fils de Télémédé, c'est le poste de préfet. Il faut que les enfants de Télémédé, les fils et filles de Télémédé, se mobilisent pour développer cette préfecture. Nous sommes oubliés. Nous sommes abandonnés. Il faut qu'on se lève et qu'on aide nos jeunes frères, nos soeurs, nos parents qui sont à Télémédé. Et la balle est dans notre camp. Et c'est pour cela qu'on apprend.